Voilà, voilà bébé. Oh, touche en direct. Wow. Oh, la violence. La violence. C'est pas un gros. C'est pas un gros, mais la violence. Oh, la violence de la touche, toi. Là, c'est un petit, mais la violence. Mais non, de Dieu. Il m'a fait flipper, quoi. Oh, la violence du choc, quoi. Ah, j'ai enregistré au bon moment, en fait. Ah, mais là, c'est un petit, on va le voir. Hein. Oh, la violence. Ah, ça l'a énervé de ouf, quoi. Ah, mais il m'a fait un départ de truc de 2 mètres. Le malade complet, quoi. Il m'a papa, boah, c'est parti direct. Allez, viens, frère. Non, mais il est fou. Tu t'es pris pour un 2 mètres. Ah, il a roté, t'es dégueulasse. Même limite, je m'attendais un poil plus gros quand même, tu vois. Tu vois, je t'ai dit que vous allez être nerveux en fait. Hein. Ah merde, c'est pas la bonne gante. Oh, la violence de la touche, quoi. Le fireball maison, ça marche de ouf. Il y a du vent, désolé. Il est nerveux. Hein. Il est nerveux, le petit minou. Le petit. Petit qui s'est pris pour un 2 mètres, apparemment. Il est magnifique. Hein. T'es joli, t'es marbré et tout. T'es magnifique. Non, plus que ça même. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas la notion de. Il doit faire 90 à peu près. 80-90, quoi. Allez, voilà. Non, ça pue. Allez, petit hot, hein. Le release. Allez, ciao, ciao. Allez, petit release. Allez. Goodbye. Wouhou. Le pouce bleu. Wouhou. Ah, mais il était énervé de ouf, quoi. Monsieur s'est pris pour un 2 mètres. Et là, c'est pas la petite tâche que je viens de voir, là. Allez, ça monte en flèche. Touche en direct ou pas? Touche en direct ou pas? Oui, non, oui, non, non. Attention, 3, 2, 1. Partez. Allez, go. Il est dessus. C'est le bordel. Dans le teaser, c'est le bordel. Oula, c'est lui ça? Oh! Putain, la touche! Joli! Ah, belle touche, oh, c'est un petit. Ah, ils font de belles touches, ils sont énervés, ces petits, mais. Ouais, c'est un petit joli, c'est le même que toi là. Ouais, un peu plus gros. Ah, ils sont énervés, ils font des touches. Des touches énormes, je sais pas ce qu'ils ont. Belle touche, quoi, franchement. Bon, je vais juste foutre mon gant à l'envers parce que j'ai perdu le droit. Hein. Oui, ma rose. Il crève pas le flotte, déconne pas. Oh, il a un hameçon. Non. Si, si, il a un hameçon dans la gueule. Ah merde! Attends, je vais lui décrocher ça si j'arrive parce que là. Oh, il a de la. Attends. J'espère qu'il a pas pris. C'est lequel qui. Ah, il s'est décroché quand même, je pense. Attends. Il y a un tout petit hameçon. Je sais pas si on voit bien la caméra là. Tout petit hameçon ici, voilà, comme il s'est fait casser, je pense. Bon, on va essayer de lui enlever. Hein. Je sais pas comment il l'a pris, par contre, c'est chiant. Je sais pas en quel sens il est, l'hameçon. Ah si, ça y est. Ah oui, ça y est. Attends, montre-moi. Voilà l'hameçon que je viens de lui sortir. Et c'est un hameçon pour les petits, ça. Voilà.
Donc voilà, il s'est fait casser. Enfin, quelqu'un s'est fait casser, je pense. Ouais. Donc je lui ai sauvé la vie, entre guillemets. Ouais, je t'ai sauvé la vie, frérot. Tu vois, t'auras plus cette merde dans ta gueule. Ça, du bon, hein, tu vois. T'auras plus cette merde dans ta gueule, tu vois, je t'ai sauvé la life. Ça fait un moment parce qu'il est rouillé. Ouais, je pense, le fil, elle a dû brûler entre temps. Enfin, il a dû se détériorer, puis voilà. Allez, petit. Regarde, il y a la péniche. La gabarre. Allez, on va la montrer là. Ouais, il est un peu plus long que l'autre, j'avoue. Il est vachement long celui-là. Pour le coup. Donc voilà, petit, je t'ai sauvé la vie. Ça, ça est un silure. C'est un silure qui vient de monter. Moi, je l'ai pas raté. Et voilà, il m'a même pas arrosé, il m'a dit merci parce que j'ai enlevé l'hameçon. Donc voilà, un petit hameçon. Je vais sauver la life. Pouce bleu pour le petit silure. Ah non, il s'est éteint, plus batterie je crois bébé. Ah bah déjà, 4-5 heures le quart. Hein. Je m'en doutais parce que je voyais les traits étaient noirs et pas comme d'habitude orange là. J'ai dit merde. Enculé, je me touche. Oh bébé, c'est un énorme. C'est un énorme. Bébé, c'est un énorme. Enculé. Je filme ou pas hein? Mon frère, il est serré à fond. Regarde, il se déroule pas, mon frère. Un peu de fou. Qu'est-ce que c'est, cette merde? Je suis en train de mettre la batterie au sondeur. J'ai vu la canne partir. Ah ouais, j'ai vu la canne partir, mon gars. Ouais. Ouais, il doit pas être géant, il fait pas 2 mètres, mais il est quand même joli, ouais. Il est énervé. Il est très énervé, le type. C'est pas un géant, mais il est énervé. Oh, le rush. J'adore. C'est ça qui est bon, pas forcément des 2 mètres qui montent, voilà, fatigués, etc. Ah mais non, c'est moi qui fais exprès. Voilà à quoi sert la barre, les potes. La barre que j'ai là, si jamais vous avez peur de ne pas être en sécurité, paf, vous calez là, regardez. Oh le rush! Et pour te dire que j'ai serré mon frein. Hein, il était monté, non, je l'ai vu. Ah bah voilà, ça y est. Ah, il est joli, ouais. Non, c'est moi parce que je fais ça en fait. Il est magnifique. Ouais, il a pris. Attends, il faut jouer où il a pris aussi parce que s'il se décroche, on n'est pas dans la merde. On va aller à la plage, on va faire une belle photo. Ah, il est énervé. Il est pas énorme, alors il est énervé, le gars. Le gars. T'es énervé, frérot. Ah, la bouche qu'il a, on voit que c'est une bouche sauvage. Ah, j'étais en train de mettre mon sondeur, quoi, comment il m'a pris.
Allez, release du silure. Voilà, on va se mettre un zinot clair. Qu'il ne soit pas glissé, ça glisse, c'est une base. Voilà, reste là, c'est un peu clair là. Ah, là, c'est pas ce bon. On plus à faire la boue. On est dans la base. Voilà. C'est bon. Franchement, gros combat, comme quoi voilà, les 2 mètres c'est pas forcément ceux qui font le plus gros combat. Et franchement, je préfère faire des poissons comme ça avec un bon combat. Voilà, des gros pouces bleus. Et voilà, les potes, fin de session, une bonne session, une excellente session. On n'en peut plus, il fait chaud, on est mort. On a garé la voiture à combien, 10 km. Ouais, on a fait de la randonnée en même temps, mais c'était marrant. Ouais, grave, putain, je suis trop content. Voilà, la touche en direct pour la fin, on a arrêté du coup sur ce poisson là. Ouais, donc, mais du coup, moi j'ai fait capot encore, c'est bien. Mais la prochaine fois. Et comme quoi, petit vif, et on a fait un silure un peu plus gros, et le gros vif des pins. Donc voilà, on a voulu tester un coin où on avait déjà été vu, on était déjà venu une fois, et au final ça a bien marché. On a fait du chevenne aussi vite fait avec ce qu'il y avait sur la nature, je vous expliquerai ça aussi lors d'une autre vidéo. Ouais. Des appâts naturels, vous ne prenez pas la tête, on arrive au moment où il y a des fruits, des mûres. Là j'ai pêché avec des graines de sureau, donc c'est un arbre qui fait des graines. Les amis, bon voilà, on vous laisse cette fin de vidéo. Nous, on n'en peut plus, on va rentrer, on va boire. Franchement, c'est ça. On va prendre une bonne douche froide. Hein. Grave. Et voilà. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est tout le but, comme vous le savez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, mettez-le. Si vous avez des questions, si vous avez des avis aussi, pourquoi pas. Prenez soin de vous, de toute votre famille, de vos amis, de tout votre entourage. Prenez soin de la nature et des poissons. Et toujours le no kill. Voilà, le no kill, catch and release. On relâche le poisson, les potes. Nous, on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao. Au bord de l'eau, sur un tuto ou n'importe quoi. Allez, ciao les potes.